N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Chers amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce mercredi 30 octobre 2024. Bonjour à tous. L'écriture d'étude est 1 roi chapitre 11, le verset 9. 1 roi chapitre 11, le verset 9. La Bible dit: L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Le pasteur Christ dit: Bien que Salomon ait été un grand roi et l'homme le plus sage qui ait jamais vécu avant Jésus, il n'a pas vécu toute sa vie en plaisant au Seigneur. La Bible dit qu'il a aimé beaucoup de femmes étrangères et qu'il a suivi leur Dieu. Il les a fait venir de nations où Dieu avait déjà interdit aux enfants d'Israël de se marier. Dans 1 Roi chapitre 11, le verset 2, Dieu a dit: « Vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Mais la fin de ce verset dit: Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. En conséquence, le Seigneur n'était pas content de lui. Certains chrétiens sont ainsi aujourd'hui. Leurs amis et leurs relations les plus proches sont des gens du monde. Comme Salomon, ils s'attachent aux mauvaises personnes et aux mauvaises associations pour les mauvaises raisons. Certains d'entre eux entretiennent ces amitiés parce qu'elles contribuent à les rendre socialement célèbres ou populaires. Mais la Bible dit: Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques chapitre 4, le verset 4. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 dit: N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Salomon a choisi de devenir un roi socialement célèbre. Lisez à son sujet. Après la seconde apparition de Dieu, il n'y avait aucune trace de lui en train de prier dans les Écritures. Au contraire, tout ce qui lui était associé était social. Il participait à l'une ou l'autre réunion, recevait des visiteurs et assistait à des fêtes, mais pas de réunion avec le Seigneur. Vous devez comprendre que les personnes que vous fréquentez deviendront la norme pour les choses qui prennent votre temps. Il s'agit notamment de vos centres d'intérêt et des choses que vous aimez. Dieu a dit aux enfants d'Israël, dans 1 Roi chapitre 11, le verset 2, « Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ne dites pas « Je me connais, elles ne peuvent pas m'influencer. » Mais écoutez simplement l'avertissement de Dieu. Il a déjà dit à propos des associations malsaines: « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. » 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Dieu connaît mieux que vous. S'il vous dit le résultat d'une action, ayez confiance qu'il a raison et suivez sa parole. Oh, alléluia! Chers frères et sœurs, faites cette confession avec moi. Dites ceci: Je fais preuve de discernement dans mes relations et je suis guidé par la sagesse de Dieu pour ne fraterniser qu'avec ceux qui honorent le Seigneur et sa parole, et qui ont de la révérence pour les choses de l'Esprit. Je donne la priorité à la communion avec le Seigneur avant toute autre chose,
et je fixe mon cœur sur la gloire et les réalités du royaume. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Jean chapitre 2, le verset 15, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, et 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 14 au verset 18. 1 Jean chapitre 2, le verset 15, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, et 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 14 au verset 18. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse.